Allez, c'est parti. Oula, un poulain au galop. C'est First Gold, l'un des favoris qui est parti au galop. Remis, peut-être à temps. First Gold a été remis, il est au centre. Il va pouvoir venir se placer à la hauteur des premiers. Figaretto du Sud est à la corde. Fleuron de Jaffa également, pas loin. Et 55 Bond qui a pris un excellent départ, qui vient quatrième. Alors que le 5, Frankie Loudon, a perdu énormément de terrain sur faute. Le tournant avec Figaretto du Sud en tête, rejoint par First Gold, suivi en troisième position par Fleuron de Jaffa, avec également 55 Bond. Le tournant, une nouvelle faute de First Gold. First Gold au galop perd le contact avec Figaretto du Sud. En deuxième position, il y a maintenant 55 Bond avec à la corde le numéro 8, Fleuron de Jaffa. Et puis également à quelques longueurs, Forever Day Hall, avec en retrait Full System, qui pour l'instant donc est en retrait des quatre premiers. Les numéros 5 et 9 ont été disqualifiés. Frankie Doudon et Fakir Victory. Et à l'instant même, le 2, First Gold. Ligne d'en face, toujours avec l'avantage pour Figaretto du Sud, avec à ses côtés le favori 55 Bond, devant le numéro 8, Fleuron de Jaffa. Avec Fleuron de Jaffa, c'est Forever Day Hall, bientôt rejoint par Fairward et par Full System. On va sortir du tournant avec toujours l'avantage pour Figaretto du Sud, avec 55 Bond devant le 8, Fleuron de Jaffa, avec Forever Day Hall en léger retrait, Fairward et Full System. On va venir devant les tribunes, Figaretto du Sud avec 55 Bond, toujours tous les deux précèdent Fleuron de Jaffa, le numéro 8, avec Forever Day Hall devant le numéro 3, Fairward et Full System, le numéro 4. Voilà, Full System qui s'écarte, que se passe-t-il? Full System qui s'est retiré de la course, il a sans doute été disqualifié. On attend confirmation et disqualification du 4, Full System. Problème d'allure pour Full System. Un tour de piste à effectuer avec Figaretto du Sud, avec 55 Bond qui est deuxième, suivi par Fleuron de Jaffa, avec également Forever Day Hall et en léger retrait Fairward. 5 poulains en course pour aborder la ligne d'en face et le dernier kilomètre. Figaretto du Sud avec 55 Bond devant Fleuron de Jaffa. Avec Fleuron de Jaffa, il y a toujours Forever Day Hall et Fairward qui est cinquième. Dernier kilomètre, Figaretto du Sud toujours qui tient tête pour l'instant à 55 Bond devant toujours à la corde Fleuron de Jaffa, Forever Day Hall et Fairward qui perd le contact avec les quatre premiers. Figaretto du Sud, 55 Bond et Forever Day Hall au galop, mais qui a été remis. Et en troisième position, Fleuron de Jaffa. Toujours la ligne d'en face avec Figaretto du Sud, 55 Bond, tous les deux marqués de près par Fleuron de Jaffa. Les deux autres sont en net retrait maintenant. Trois poulains en course pour la victoire dans le tournant final. Figaretto du Sud avec 55 Bond et avec en troisième position Fleuron de Jaffa. Sorti bientôt du tournant final. Figaretto du Sud, 55 Bond, tous les deux qui luttent devant Fleuron de Jaffa. Sorti du tournant, 400 mètres à couvrir. 55 Bond, Kazakh Vert qui porte son attaque à Figaretto du Sud qui réagit bien et Fleuron de Jaffa qui tente de venir au centre. Fleuron de Jaffa qui est lancé à la poursuite de Figaretto du Sud et de 55 Bond. 55 Bond, le favori qui a pris l'ascendant sur Figaretto du Sud et en retrait Fleuron de Jaffa. 55 Bond qui a pris de meilleur sur Figaretto du Sud. 55 Bond qui a l'avantage toujours devant Figaretto du Sud. 55 Bond devant Figaretto du Sud et Fleuron de Jaffa. 55 Bond qui l'emporte. Deuxième place pour Figaretto du Sud et la troisième pour le 8, Fleuron de Jaffa. 6 à 8 et à distance, c'est le numéro 7 qui s'empare de la quatrième place dans notre huitième rendez-vous. Et Florian Desminieux a dû rester vigilant jusqu'aux abords du poteau, mais le pensionnaire de Vincent Martens, 55 Bond, remporte ce dernier rendez-vous. Deuxième place pour le numéro 1, Figaretto du Sud, monté par Aurélien Demar. La troisième place pour le numéro 8, Fleuron de Jaffa. Et à nette distance, Sébastien, c'est le numéro 7, hein, Forever Day Hall, qui complète la bonne arrivée. Une course qui aura été marquée par 4 disqualifications, notamment la faute du numéro 4, Full System. Mais deux favoris, hein, disqualifiés. First Gold parti au galop et à nouveau fautif à la sortie du premier.